pour le vlog de Livre Paris, donc c'est parti. On est jeudi 15 mars, ce soir c'est l'inauguration, là je rejoins quelques copains instagrammeurs, on va faire quelques librairies, puis on va aller à l'inauguration. Donc je vous emmène avec moi pendant 4 jours parce que j'y vais aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche. Donc bah, c'est parti. J'ai perdu tout le monde, j'ai discuté à la collection hier et j'ai perdu tout le monde, donc je sais pas où je vais. Et en tout cas, il y a beaucoup de monde, je vous montrerai de façon, puis voilà. Sauf que je suis pas vrai, il m'a serré la main et sa femme aussi. Bon, du coup, voilà. Du coup, je rentre et demain je pars pour un autre jour de salon. Et il y a déjà trop de monde le jour de l'inauguration. J'imagine pas ce que c'est les autres jours. Ça va être. En fait, tu peux même pas bouger, tu peux même pas marcher. Donc, bon, on verra bien. Et du coup, bah, je vous dis. Enfin, du coup, moi, j'y retourne demain. Donc, à tout de suite. Je suis arrivée. Mon dieu, vous avez vu toute la file là-bas? Non, moi je passe pas. Enfin, je sais pas qui doit passer par là, mais moi je vais en tout cas. Il est 10h01, je viens de rentrer dans le salon et là mon objectif c'est d'aller. Ouh, je fais me casser la gueule. C'est d'aller chez Pocket Jeunesse me chercher un ticket pour la dédicace de Marissa ailleurs. Alors, faut que je me souvienne où c'est, mais pour l'instant c'est pas là. Je vais y arriver. Faut que je sois une des premières parce que j'ai pas envie d'attendre 15 ans quoi. Donc là, le salon est encore tout calme, il n'y a pas grand monde qui est rentré. Et Pocket Jeunesse, c'est là-bas. J'arrive. Ça y est, j'ai mon papier. Bon, je n'étais pas la première, mais je suis la 10e. Donc franchement, ça va. J'ai retrouvé les copines. Andrea. Oui. Juliette.
aller à la scène Young Adult pour la conférence avec Diana Gabaldon. Mais j'ai pas lu son livre, mais je sais pas, ça a l'air intéressant. Voilà. Ça c'est la queue pour Diana Gabaldon. Il est... je sais pas, il est quelle heure? Midi 8. Midi 8 et ça commence à 14h et vous commencez à attendre depuis 10h30. Précise que tu n'attends pas toi-même. Je n'attends pas, je suis derrière les barrières. I definitely feel like I was meant to be a writer. I grew up having an incredibly overactive imagination. I grew up loving books, loving stories. And it is true that one of my first words was story, along with cookie. And so I grew up telling stories. From the time that I could talk, I was starting to make up stories and entertain my parents with them. And as soon as I realized, at what age I'm not sure, but as soon as it occurred to me that, you know, writing books is something that you could do as a career, that you could get paid to do that, I knew that that's what I wanted to do. Du coup, je reviens de la conférence de Marissa Meyer. C'était vachement intéressant. Je sais pas ce que c'est, Céline. Et là, du coup, je vais à sa dédicace. Je suis comme, je suis le 10e ticket. Attendez, je suis perdue. Je suis le 10e ticket. Donc franchement, ça va aller hyper bien. Après, normalement, j'ai plus rien de prévu. Donc voilà. Bon, on vient de faire la dédicace de Marie-Claire. Oui, c'était trop bien, elle est trop mignonne. On a fait une photo? Je suis pas venue encore. Ah, non, ça va, je me trouve belle. Non, bah ça va. Ça vous est belle, ouais. C'est pas trop mal. Voilà. Et du coup, là, on va aller chez Milady pour sûrement acheter des livres. Non, pas moi. Peut-être. Du coup, j'étais en train de vlogger, super. Elle a sauté de nulle part. On se disait que moi je m'en vais du salon, on finit, enfin il est tôt, il est 17h à peine, mais je m'en vais parce que je fais tout ce que j'avais à faire, puis je suis déjà crevée, puis je vais me reposer pour le week-end prochain, enfin le week-end qui arrive. Donc voilà, à demain. Hello, alors c'est parti, troisième jour de salon, il est 9h30, j'ai 40-45 minutes d'hôte, donc ça va, je vais arriver pas à l'ouverture, mais bon, il y a trop de monde donc c'est pas grave. Et puis aujourd'hui j'ai pas prévu de dédicace, 50% du temps je serai sur la scène Young Adult, enfin j'irai voir la scène Young Adult, et après je crois entre 14h30 et 17h j'ai rien à faire, donc je vais traîner. Aller voir d'autres stands et tout, donc voilà. Ça y est, je suis arrivée. J'ai trop froid. Puis au fil presse. Bien mangé. Et bien bu aussi, c'était cool. Ouais. Et du coup là on retourne au salon qui est juste là. Du coup je voulais aller à la conférence avec Neil Schusterman, j'espère que vous m'entendez. Mais j'ai pas eu le temps, le déjeuner est un peu tardé, donc c'est pas grave. J'ai retrouvé plein de gens, on a fait une photo. Ah mais c'est une vidéo, c'est ça? C'est une vidéo.
vidéo. Bah oui. Bravo, merci. Personne n'a compris. C'est après. On le dit tout le temps. Je pense qu'on l'a déjà vu dans le vlog, mais je précise maintenant. On vient. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la. La scène young adulte. La scène young adulte. On vient de finir de voir la conférence de Lynn. Et puis là, on va attendre 30 minutes. Et puis là, ça va être la conférence de Anatode, animée par Lynn. Donc voilà. Et là, on est assise. Ça fait du bien. Si, ça fait tellement du bien. Ça fait du bien. Elle a pas pu avoir sa dédicace. Pour un atode, il y avait 10 milliards de personnes. Et elle dédicace que 2 heures. Ils ont coupé la file et du coup, ils me disent non. Trop dégoûté. Il est au moins 19h30 je dirais, 36, et bah là on va y aller, on attend juste pour faire des photos Amazon dans le truc là. On a vu Anatode. Oui, on a vu Anatode, j'ai eu ma photo avec elle. Moi j'ai signé elle mon aussi. Livre, enfin j'ai pu le signer du coup. Très rapidement. Ouais. Mais trop adorable, trop... Je suis trop contente. Et du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais je reviens demain. Ce vlog va être interminable. Tu m'étonnes. Et demain, petit déj avec Mille Schusterman. J'espère ne pas être en retard cette fois. T'as intérêt. Bah voilà. J'espère. Il me reste 100 pages pour finir le tome 2. J'espère le finir ce soir. De la faisable. Ouais, mais je suis fatiguée et demain c'est 9h30. Quoi. Bon, je finis vraiment ce vlog pour aujourd'hui. Enfin. Ça va reprendre dans 4 secondes pour vous, mais du coup c'était grave cool aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose en dédicace ou quoi. Bref, je vous ferai peut-être un débrief après. Il lui neige. Voilà. Hello, du coup c'est le dernier jour du salon. Là je me dirige vers le petit déj avec la collectionnaire. Je pensais être en retard, au final j'ai 30 minutes d'avance. Alors la dernière fois j'avais 40 minutes de retard. Je sais pas trop gérer mon temps, mais du coup ça va être cool, on va faire un petit déj avec Neil Schusterman. Et il fait super froid, il a neigé à Paris. Du coup bah voilà, je vous montre tout ça. Dixon, je sais pas si vous m'entendez, et je suis dans la file d'attente avec ma soeur et ma cousine pour voir Victor Dixon. Comme ça je pourrais parler de Phobos 4 et tout aussi. Et puis cet après-midi j'ai la dédicace de Morgane, donc voilà. Attendre Morgane.
Morgane Pont. Ça avance, ouais, je me suis un peu incrustée, mais ça va. On a trop hâte de la voir. Ouais, elle a l'air tout. J'ai celui d'Alicia aussi à faire l'étiquette. Andrea, elle papote. Avec la lâche pas André. Je m'en fous, j'y vais. Vas-y. En mode paparazzi. C'est clair. Ça n'a pas encore commencé et c'est sur John Green, voilà. Puis après j'ai plus rien à faire normalement, donc on verra. Je suis toute seule devant. J'espère qu'il y a des gens qui vont me rejoindre. Je suis encore sur le stand de la collection R et le stand de la collection de tome 1 de la Pêcheuse, il n'y a plus le tome 1 de la Lépernesse, il n'y a plus Revanche, il n'y a plus du Parrainé. Oh, je vous ferai un débrief après, hein, parce que là, ou peut-être pas, je sais pas. Il neige, en tout cas, on verra.